بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 42 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences math, l'année scolaire 2022-2023. Soit A, la matrice carrée d'ordre 2, telle que A carré est égal à I. Petit a montre que, quel que soit N appartenant à N étoile, A, la matrice A plus la matrice I, le tout à la puissance N, est égal à 2 à la puissance N moins 1, facteur 2, la matrice A plus la matrice I. Petit 2, soit la matrice B, telle que grand B est égal à la matrice carrée formée par les éléments 2 plus racine carrée 3 sur 2, 1 demi, 2 moins racine carrée 3 sur 2. Petit a, calculer B moins I le tout au carré. Petit b, en déduire B à la puissance N avec N qui appartient à N étoile. Réponse. Petit 1, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoile, a plus i, le tout à la puissance n, est égal à 2 à la puissance n moins 1, facteur de la matrice A plus la matrice I. Bon, je vais bien sûr faire cette démonstration en utilisant le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Bon, ce raisonnement se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on a la matrice A plus la matrice I, le tout à la puissance 1, c'est la matrice A plus la matrice I. Et 2 à la puissance, ici n moins 1, et 2 à la puissance n moins 1, ou bien 1 moins 1, parce que j'ai pris n égal à 1, fois, entre parenthèses, la matrice A plus la matrice I, est égal à 2 à la puissance 0, facteur de A plus I. Et 2 à la puissance 0, c'est 1, donc ça donne A plus I. A plus I, la matrice A plus I. Donc, comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, la matrice A plus la matrice I, le tout à la puissance 1, est égal à 2 à la puissance 1 moins 1, facteur de A plus I. D'où la proposition est vraie pour n égal à 1. Maintenant, l'étape de l'hérédité, supposons que A plus I, le tout à la puissance N, est égal à 2 à la puissance N moins 1, facteur de A plus I. Et montrons que
démontrons que A plus I, le tout à la puissance N plus 1, est égal à 2 à la puissance N, facteur de A plus I. On a la matrice A plus la matrice I, le tout à la puissance N plus 1. C'est la matrice A plus I, le tout à la puissance N, facteur 2, la matrice A plus la matrice I. Et d'après la supposition de récurrence, A plus I, le tout à la puissance N, c'est 2 à la puissance N moins 1, facteur de A plus I, facteur de A plus I. Est égal à 2 à la puissance N moins 1, fois A plus I le tout au carré, donc c'est A au carré, plus 2AI, plus I au carré, qui est égal à 2 à la puissance N moins 1. A au carré, d'après les données de cet exercice, c'est I. 2 fois I, c'est 2A, puisque la matrice I est l'élément neutre pour la multiplication des matrices dans M de R, plus I au carré, c'est I. Donc ça donne 2N moins 1, I plus I, c'est 2I, donc c'est 2I plus 2A. Je peux factoriser par 2, et 2 fois 2 à la puissance N moins 1, c'est 2 à la puissance N, facteur de I plus A, c'est A plus I, puisque la somme des matrices est commutative. Donc la proposition est vraie pour N plus 1. Donc la proposition est vraie pour N plus 1. Conclusion. Quel que soit N appartenant à N étoiles, A plus I le tout à la puissance N est égal à 2 à la puissance N moins 1, facteur 2, la matrice A plus la matrice I. Conclusion. Quel que soit N appartenant à N étoiles, A plus I le tout à la puissance N est égal à 2 à la puissance N moins 1, facteur de A plus I. Petit 2, on a la matrice B dont les éléments sont 2 plus racine carrée 3 sur 2, 1 demi, 2 moins racine carrée 3 sur 2. Petit a, calculons b moins i le tout au carré. B moins i le tout au carré. On a b moins i. Puis je remplace la matrice b par sa valeur. C'est 2 plus racine carrée 3 sur 2. 2 plus racine carrée de 3 sur 2. 1 demi, puis 1 demi ici, 2 moins racine carrée 3 sur 2, moins la matrice I dont les éléments sont 1, 0, 0, 1. La différence donne le résultat suivant. 2 plus racine carrée 3 sur 2 moins 1, ça donne racine carrée de 3 sur 2. 1 demi moins 1, moins 0, c'est 1 demi. 1 demi moins 0, c'est 1 demi. 2 moins racine carrée 3 sur 2 moins 1, c'est moins racine carrée de 3 sur 2.
je peux factoriser par 1 demi, 1 demi, facteur 2, racine carrée de 3, ici 1, ici 1, ici moins racine carrée de 3. Donc, P moins I, le tout carré, c'est 1 demi, le tout carré, c'est 1 quart, fois la racine carrée de 3, la matrice formée par les éléments racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3, fois la matrice elle-même, racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3. Maintenant, on effectue ce calcul. Ce calcul donne le résultat suivant. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Puis 1 fois racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 fois 1, c'est 0. Puis racine carrée de 3 fois 1 moins racine carrée de 3, c'est 0. Et 1 plus racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Je peux faire entrer le 4 à l'intérieur de la matrice. Ça donne la matrice suivante. 4 sur 4, c'est 1. 0 sur 4, c'est 0. 0 sur 4, c'est 0. 1 sur 4 fois 4, c'est 1. Donc, ça donne la matrice I. Unité. C'est la matrice unité. Petit b. Déduisons b à la puissance n avec n appartenant à n étoiles. On sait que b moins i le tout au carré est égal à i. Posons b moins i est égal à une certaine matrice A. Donc A au carré est égal à i. Et d'après la question précédente, ou bien d'après la question, je crois la question numéro 1, oui, d'après la question numéro 1, on a A plus I le tout à la puissance n est égal à 2 à la puissance n moins 1 facteur de A plus I. Puisque B moins I est égal à A, alors A plus I c'est B. Donc B à la puissance n est égal à 2 à la puissance n moins 1 fois A plus I, c'est B. Si vous voulez, car B moins I est égal à A. C'est-à-dire A plus I égale à B. Conclusion, quel que soit N appartenant à n étoile, p à la puissance n est égal à 2 à la puissance n moins 1 fois b. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.